En avril, à Pointe-Rousse, sur la moquette, c'est comme ça. Je sais pas, il y a bien 700 mètres de dénivelé de moquette. Et non, je suis pas tout seul, il faut que je vous montre quelque chose. Regarde. La Vierge Marie. La Vierge Marie qui est là, qui regarde le nord. Le nord-ouest presque. Et derrière, le siècle du fer à cheval. C'est dingo, non ? C'est moquette, les amis, là. C'est un panorama de foufou de malade. Ici, on est sur ce qu'il y a de mieux en Haute-Savoie, quoi. Parce que le panorama, il est ouvert sur les montagnes, notamment le Mont-Blanc, et puis le Haut-Giffre, et puis la vallée du Giffre. J'ai l'impression d'être dans des dunes de neige. C'est magique. Un petit panorama 360. Je vous le fais sans ma face. Alors le Tenverge avec la corne des chamois. La pointe de Finive. Le cheval blanc. Le cirque du fer à cheval. L'écorchoir en premier plan. Le buet. Grenite commune. La verte. Les drues. Il y a tout. Il y a tout. Le Mont Blanc là-bas au fond. Et le vallon d'Anterne, Rocher des Fils, pointe de Ressassa où j'étais l'autre week-end. En premier plan, c'était le Colonnais. On voit les Aravis avec le Charvin. Pointe Percée, pointe d'Areux. Le Bargy, la vallée du Giffre et l'Arve. Le Môle. Et voilà. C'est pas beau ça? J'ai vraiment de la chance de pouvoir profiter de ça. Aussi, je pense à ceux qui peuvent pas le faire. Du coup, je prends des photos que je diffuserai sur Facebook et que je proposerai à la vente en fine art. C'est aussi pour
diffuser ce message de respect de l'environnement et de protection de la nature, parce que c'est vraiment un lieu magnifique, préservé, qu'on doit laisser tel quel pour les générations futures et qu'on ne doit pas abîmer. La seule trace que je laisserai, c'est la trace de mes skis dans la neige, qui elle va fondre, et donc c'est exactement comme si j'étais pas venu. Yes. Merci la nature, merci la montagne de m'accueillir encore une fois. Toutou, salut les amis.